Mon vélo adoré, j'arrive. C'est la première fois depuis longtemps que Damien Bross réalise une œuvre d'art publique. Il l'a appelé tout le temps. Les critiques diront que c'est une satire féroce de la société moderne. Moi, je dirais que c'est un tas d'ordures. Qui sait, c'est peut-être ça le but. On vous a pas rapporté ma ceinture orange? Je l'ai oubliée après mon cours de karaté. Orange? Waouh, c'est déjà un bon niveau. Carrément, c'est presque une ceinture noire. Oh, qu'est-ce qu'il y a après la orange? La verte, la bleue, puis la violette. Puis la noire? Non, marron. Oh. Ensuite la rouge et après la noire. Oh, donc tu y es presque. Je prends encore quelques prises et c'est bon, tout mon corps est une arme. J'essaie de la mettre au service du bien. La voilà. Merci. Et merci à toi de veiller sur nous comme ça. Y'a pas de quoi, c'est dans ma nature. Mais non, mon vélo. Où est mon vélo? Je vais le... Ma parole. On m'a piqué mon vélo, non mais attends, je le crois pas. Tu l'avais attaché? Mais ça va pas. Vous croyez que c'est le moment de me poser cette question? Évidemment que je l'ai pas attaché. Tu ne l'as pas laissé longtemps pourtant. Bah non, ça peut pas se passer comme ça. Et ça se passera pas comme ça. Parce que ça, c'est une affaire pour... Angelo, détective privé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À qui tu parles, Angelo? Un vélo, un garçon, un rêve brisé. Restez avec nous, on va aller jusqu'au bout de cette histoire qu'on va appeler... L'affaire du vélo disparu. Ouais, c'est ça. Permettez-moi maintenant de vous donner 2-3 conseils pour devenir vous aussi un bon détective comme moi. En premier, faut avoir un truc, un style. Le style Angelo détective privé. Angelo détective privé. Moi, j'ai choisi la sucette partout et en permanence. Eh oui, même sous la douche. Ensuite, un bon détective a besoin d'un acolyte. Ouais, sauf que moi, j'en ai 2. Dr. Watson et Victor Burma. Et bien sûr, un détective ne serait pas un bon détective sans sa chanson. Chers acolytes, vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Mon vélo a été volé. Volé? Volé? Volé. Et il faut qu'on le récupère sans perdre une minute. Il faudrait aussi qu'ils arrêtent cette musique bizarre. Étape 1, interroger les témoins. Angelo, détective privé, a un goût prononcé pour la bonne vieille méthode du gentil et du méchant flic. Angelo, détective privé. Mademoiselle Perla, je suis bien contente de vous voir. Comment ça va? Belle journée, n'est-ce pas? Bon, alors dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez au centre de loisirs? Eh bien, je donnais un cours de yoga. Quoi? Parce que t'appelles ça du yoga, toi? Écoute bien, je vais... C'est bon, Dr. Watson, je m'en occupe. Tiens, calme-toi, Doc. J'allais aussi voir si Damien Bross avait besoin d'un coup de main pour sa sculpture. C'est un artiste qui a des problèmes de confiance en lui. Vous avez sans doute noté que sa sculpture est une dénonciation virulente de... La ferme, boucle d'or! On n'est pas ici pour parler d'art moderne ou encore moins de sculpture dans les espaces publics. Même si ce sont des sujets importants qu'il faudrait qu'on aborde. Écoutez, tout ce que je veux, c'est retrouver mon vélo. Mais j'étais avec toi quand on te l'a volé. Il est clair que je ne peux pas être suspectée. Ah, là, elle a pas tort. Et tous mes élèves sortaient du cours. Tu serais pas en train de balancer tes élèves par hasard? Quoi? 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 J'ai compris ce qu'était votre plan. Ma ceinture de karaté orange n'était pas perdue. Vous l'avez volée. Quand je suis venue la chercher, vous avez appuyé sur un bouton secret pour prévenir votre mère de voler mon vélo. Mais ma mère vit à Ibiza. Ah, essaie pas de mêler Ibiza à cette histoire. Ok, ok, calmez-vous, ma chère Watson. Son histoire se tient. On joue plus au gentil flic, méchant flic maintenant. Ah, désolée, je me suis laissée emporter. Ok, mademoiselle Perla, vous pouvez y aller. Et t'as plutôt intérêt à filer droit, t'entends? Oh, désolée, j'oubliais, je le ferai plus. Oh là 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 là.
Zonka, Zonka, Zonka. Si toutefois c'est bien votre vrai nom. Vous m'avez eu. Je suis un imposteur. Mon vrai nom n'est pas Coach Zonka. C'est Coach Zonka Shamalama Ding Dong. Qu'est devenu Shamalama Ding Dong? J'ai dû le supprimer. Il n'est pas sur mon permis de conduire. Je suis un misérable. J'ai vécu dans le mensonge. Je me fiche que vous vous appeliez Bebop Alula. Je veux récupérer mon vélo. Vélo? J'ai pas besoin de vélo. Je fais du jogging maintenant. Ordre du médecin. Figurez-vous que j'ai cette éruption sur mon ventre. Regardez. Non. C'est dégoûtant. Ok, ok, stop, c'est bon. Vous êtes libre, coach. Mais interdiction de quitter le pays. Une dernière petite chose avant que j'oublie. Qui était ce gamin qui courait sur le terrain? Bertrand François. Et maintenant, Zonka balance Bertrand François. C'est curieux, Bertrand François n'est pas du genre à faire quoi que ce soit qui ressemble à une activité physique. C'est bien sûr, c'est Bertrand François qui a fait le coup. Sinon, pourquoi il se serait mis à courir? J'étais poursuivi par une guêpe. Quel genre de guêpe? Laissez, Dr. Watson, je prends la suite. On m'a volé mon vélo. La Dr. Watson, Victor Burma et moi-même, on veut le retrouver. Je savais pas, je suis désolée, Angelo. C'est Angelo, détective privé. Angelo, détective privé. Pas la peine de le dire à chaque fois, mon vieux. À qui tu parles, là? Écoute, je sais que c'est pas toi qui as fait le coup. Mais Angelo, détective privé... Angelo, détective privé. Non, mais sérieux, là? C'était qui? Ah, c'est une appli que j'ai installée sur mon portable et je sais pas pourquoi, y a pas moyen de l'éteindre. Je sais pas qui t'a volé ton vélo, mais je sais que j'ai vu Manetti avec un bonnet de ski en plein milieu de l'été. Tiens, tiens, Manetti, il a une liste d'heures de colle longue de 3 km. Il pourrait brandir une pancarte, j'ai volé un vélo pendant qu'il y est. Et maintenant, Bertrand François balance Manetti. Oh mince. Hey. Bonjour Manetti. Qu'est-ce qu'il fait? À tous les coups, il repère d'autres vélos à voler, suivez-moi. Tu es allé trop loin, Manetti. Je sais pas ce qu'il y a sur ton carnet, mais je veux mon vélo. Oh, ça, je collecte des signatures de soutien. C'est un nouveau projet que j'organise pour embellir le centre-ville avec des jardinières. Je t'arrête tout de suite, là. T'es en train de gâcher mon histoire de crime. Où est l'ancien Manetti? Parti. Je m'appelle Manetti 2.0 maintenant et je me suis complètement réinventé comme vous trois. Il a pas tort. On va changer de stratégie. Étape 2, tendre un piège. Ça m'embête, c'est mon vélo tout neuf. T'inquiète pas, Doc, on le quittera pas des yeux, on reste sur place. Allons-y. Un autre aspect de la vie de détective, c'est les planques qui n'en finissent pas. Seuls les plus forts survivent à cette épreuve. Réveillez-vous! Le vélo a disparu! Quoi? Comment ça, mon vélo a disparu? Là, on fait comment, Angelo, détective privé? Angelo, détective privé! Lui, il commence à être vraiment lourd. Je sais, Doc. En fait, je dois avouer que ça marche pas du tout. En fait, j'en ai marre de ce truc d'Angelo, détective privé. Angelo, détective... Ça suffit! J'en ai ras la casquette de ce chapeau idiot et de la sucette aussi! Hé! Hey! Oh, une sucette gratuite! Comment je vais annoncer à mes parents qu'on m'a volé mon vélo tout neuf? En plus, nos vélos étaient attachés et tout. Toi, t'avais attaché le tien, non? C'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'ils ont tous les deux disparu. Attends, le mien non plus, tu ne l'avais pas attaché? Je suis sûre qu'il y a une raison très logique et scientifique pour laquelle ils ont été volés. Victor? Des aliens. Exact, des aliens. Attends, quoi? Quand on était en planque, j'étais super fatiguée, alors j'ai peut-être imaginé des trucs, mais j'ai vu le vélo s'élever dans les airs et disparaître. Mais t'aurais pu le dire avant. Classique, enlèvement par des aliens. Pourquoi les aliens voleraient-ils un vélo? Dépenser moins d'essence, faire de l'exercice, respecter l'environnement. Je trouve qu'il y a plein de trucs bizarres qui se passent ces jours-ci. Les structures de l'aire de jeu ont disparu et les poubelles aussi. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Ah, non, il est encore plus neuf que celui de là. À quel point? Il est encore dans son carton. T'inquiète, on va le déballer. Waouh, trop classe. Les gars, si on fait ça, je préviens, je m'enchaîne à mon vélo. Moi aussi. Tout pareil. On se fait enlever par des aliens!
la grue électromagnétique de Damien Bross. Il est en train de tout ramasser. Ah, c'est lui qui a piqué tous les objets métalliques de la ville. Il les empile pour faire sa sculpture. Super impressionnant vu d'ici. Oh, hé, c'est nos vélos. Ça fait plaisir de voir que Bross a réglé son problème de confiance en lui. Je suis Damien Bross, roi des rois et le plus grand artiste du monde. Admirez mon œuvre, vous les puissants et désespérés. Bon, on a retrouvé nos vélos. Alors, Coach Zonka, une grande œuvre d'art, n'est-ce pas? Oui. Appelez-moi Coach Zonka Shamalama Ding Dong à partir de maintenant. Coach Zonka Shamalama Ding Dong.